Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans Fafa, l'émission dans laquelle nous décortiquons l'actualité, people et tout ce qui est d'ici, tout ce qui est d'ailleurs, vos artistes préférés. On en parle dans cette émission Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Dufalé, la légende. Mais je ne suis jamais seul. Toujours avec mon binôme, l'homme aux questions percutantes, le Big Anaconda. Alors, dames et messieurs, vous qui nous suivez des quatre coins du monde, merci à tous et à toutes qui partagez les vidéos sur le net, les actualités du Fafa, votre émission préférée. Alors, pour ce jour et ce numéro, nous recevons un jeune artiste qui a commencé sa carrière artistique il n'y a pas très longtemps, mais il a fait beaucoup de choses sur la toile en passant par des freestyles. C'est une nouvelle génération montante. Ils viennent avec un nouveau souffle, un nouveau style musical. Ils sont dans leur registre. Par moments, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire, mais dit-on pas que l'art est bizarre, mais il n'y a pas d'hasard dans l'art. Alors, lui, il a un nom assez spécifique. Je ne sais pas si ça en fait, tout à l'heure, il va m'expliquer un peu. Parce que son nom même, ça me fatigue. Mais écoutez, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement pétri de talent et beaucoup d'imagination et de création. Aujourd'hui, pour le Fafa, nous recevons Oyoki. Comment il va, le champion? Ouais, ça va très bien. Super, top. Cool. Anaconda. Yes, sir. Nous avons la présence sur le plateau de Fafa de Oyoki Onayo. Onanayo. Onanayo. Voilà. En fait, donc, il y a Onanayo. Voilà. Wow. Mais d'où tu sors ce nom, Oyoki Onanayo? Oyoki, d'abord, en congolais, c'est dit, tu as capté, tu as compris. Quand on dit Oyoki. Ah, ok. Voilà. C'est Oyoki, tu as capté. Voilà. Voilà, maintenant le Onanayo. Onanayo, tu as regardé les films japonais, souvent les dessins animés. Alors. Oui, ok. Voilà, c'est là-bas, je me suis inspiré. Ah, donc d'où ton look un peu de Dragon Ball Z. Voilà. D'accord, avec la chevelure qui va avec le tout. Le nom Onanayo, c'est pas un personnage de Dragon Ball Z, c'est moi-même qui ai imaginé ce nom. Voilà. Ok. Vu que les dessins animés me plaisaient. Donc, tu es, en fait, je dis par là que tu as créé ton personnage voilà. À l'intérieur de ce dessin. D'accord. Anaconda. Mais en fait, au lieu qu'il m'allait un peu calme, j'ai salué mes parents déjà. Puis, quand on va revenir, je pense qu'il va bien se réveiller. Mm-hmm. Là, déjà, j'ai salué M. Ahmed Ouattara parce que bientôt, on va prendre la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, sans oublier M. Amadou Bamba, OGBV et le 15 Cash Money. Mais qu'est-ce pour que vous allez prendre la FIF? C'est bouclé, t'inquiète. Ok, bon, l'avenir nous dit là. Toi, tu es des Mapoui? Oui, moi je suis dans Mapoui. Mapoui dans Mapoui. Mais pourquoi tu n'es pas passé voir ça le fois à tes débuts pour entrer dans la musique, pour qu'ils poussent ta carrière? Bon, c'est pas facile, vu les contacts pour entrer en contact avec les filles, moi, c'est pas facile. Mais bon, tout récemment, était mon frère Fior, on a fait des photos ensemble. Avec la salle photo? Oui, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal, hein. D'accord. Ok, c'est pas mal. Mais alors, dis-nous officiellement. Quand est-ce que tu as commencé ta carrière officiellement? Bon, j'ai commencé ma carrière, ça fait pas au moins, ça fait pas deux ans. Ok. J'ai commencé ma carrière avec des vidéos. Et mon ami fait le bio dans la chambre froide, c'est comme ça qu'on a commencé les vidéos. Le freestyle. Voilà, un peu des vidéos. Bon, nous on est venu un style musical un peu dansant, vu que Arafat, DJ faisait danser un peu la population. D'accord. Voilà, comme c'est le rap, il voit aussi, il contrôle. Donc on a associé le rap, il voit un peu le coupé décalé, afro décalé. Voilà pourquoi quand on chante, il y a beaucoup d'attaque, il y a beaucoup de basses. Quand tu attends, Prokoto Jassaka moins, Kamamouin, Toko Prokoto Jassaka moins. Tu vois que ça ne veut pas dire quelque chose, mais ça capte l'ambiance, plus l'ambiance. On travaille plus dans l'ambiance que les paroles. Bon, parce que pourquoi je le dis? Bon, je définis. Aujourd'hui, là, je te reçois. Bon, normalement, tu es classé dans la classe. Tu es classé dans le côté rap ivoire. Oui, pas tout. Voilà, rap ivoire. Maintenant, le truc, c'est que toi, tu as quand même le courage de dire, bon, effectivement, nous, on pioche ici, ouais. On pioche un peu ici, ouais. On colle tout, ouais. On fait une sauce. Et puis on avance avec. Bon, en général, tes autres collègues du rap ivoire, ils disent, oh, le coupé décalé est fini, eux, ils font du rap ivoire. Bon. Le coupé décalé n'a pas fini. C'est une musique, bon, on a une légende qui est plus là. Si c'est fini, c'est honteux pour les Ivoiriens, c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, moi, j'ai toujours aimé le coupé décalé, j'ai toujours aimé Didier, toujours aimé les artistes du coupé décalé. Bon, le coupé décalé ne doit pas finir. C'est nous, on doit booster. Non, en fait, tu n'as pas bien compris ma question. Anaconda, je reviens. Parce qu'en général, les artistes du rap ivoire, quand ils viennent sur le plateau, ils parlent du rap ivoire. Qu'est-ce que lui dit les rap ivoire? Bon, ici, bon, ici, partout. Ici, ouais, donc, tu es un artiste. Je suis un artiste, il fait un peu de style musical, un peu d'afro décalé, trap décalé, il fait tout. Bon, pour lui répondre à mon frère Stéphanie, toi-même, ce que tu chantes là, ton genre de musique là, comment on appelle ça? Bon. On a besoin de bon paradis.
Voilà. Ça, c'est un concept. C'est un concept, c'est une langue qu'on a créée, moi, mon frère. Mais le genre même là, c'est bon. C'était voilà. On me met dans rap, il voit, quand on me met en coupé décalé. Je vous ai dit que ma musique, c'est une création. Si vous comprenez. Dans cette création là, voilà. Ça n'a pas de genre. Bon, c'est un genre. Il dit Bumbalada, c'est ce qu'il dit, eux, ils avaient ça. C'est un concept. Le Bumbalada, c'est un concept aussi. Voilà. C'est une musique. Maintenant, ces gens-là, ça rentre dans quoi? Dans la rap ivoire ou bien dans le Sumba? Ça rentre dans rap ivoire. Ça rentre dans rap ivoire. Ça rentre dans rap ivoire. Donc, tu es un artiste. Ça rentre dans rap ivoire. Bon, on me met dans rap ivoire. Non, c'est. Donc, tu es un artiste rap ivoire. Je suis un artiste rap ivoire. Non, il a dit on le met. Il n'a pas dit. Il dit si on l'a mis, Lui, il s'est placé là-bas. Lui, on le met. Dans le fond, ça fait des biens qui te mettent dans la musique. Bon, on a commencé ensemble, lui, c'est lui. Bon, on a commencé ensemble dans la chambre, on a commencé des vidéos. Il a commencé des vidéos avant lui, mais il n'a pas mis, il ne mettait pas ça sur le net. Ouais. C'est comme ça, on s'est associé. Qu'est-ce qu'il va faire la musique? Pas forcément, on se motive ensemble. Il me motive, il le motive aussi. On se motive. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu fais dans la musique là? Tu n'as pas des regrets d'avoir abandonné les études hein? Bon, pourquoi? Non, je demande, je veux savoir. Parce qu'il y a des gens après, ils se disent qu'ils regrettent pourquoi j'ai laissé l'école pour la musique. Il y en a qui disent, je suis fier de continuer la musique, passer l'école, voilà. Est-ce qu'ils veulent savoir quoi? Bon, ici dans la musique, tu vois que l'école n'est pas la seule voie de la réussite, quoi, tu vois. Il y a plusieurs voies, il y a ça, il y a Prakash. Non, l'école n'est pas la seule voie de la réussite. Dieu m'a mis dans le chemin de la musique et puis il t'abat. Dieu merci. Non, comment tu gagnes ta vie dans ce que tu fais hein? Bon, je donne un peu mon pain, c'est mon pain quotidien d'abord, c'est important. Alors, mais dis-nous, moi, je vois que tu as commencé ta carrière, bon, visuellement, tu as sorti un feat avec un titre piqué, avec ton binôme Fior de Bior, gros succès, beaucoup de vues sur YouTube, un peu partout. Bon, après ça, tu sors d'autres titres. Des titres que je vois, bon, tu fais des feats aussi, mais qui n'ont pas forcément peut-être la même poigne ou la même. J'allais dire le même succès. Ouais. Alors, à ton avis, c'est dû à quoi? C'est le fait que Fior de Bior t'accompagne plus sur les nouveaux titres que tu fais ou non, c'est quoi? C'est pas forcément. C'est le public. C'est à moi de savoir captiver le public maintenant. Ça me permet de travailler plus. Ok. C'est bizarre qu'il aime me décourager. Il faut envoyer sur mon Fior de Bior que tu envoies. Tu tentes de trouver dans la musique. La musique n'est pas facile. La musique ivoirienne, c'est pas facile. C'est beaucoup de faire. C'est facile parce qu'il n'y a pas de réseaux. Non, pourquoi c'est pas facile. Bon, tu peux chanter bêtement et ça ne plaît pas aux gens. Voilà. Tu peux chanter bêtement et ça ne plaît pas aux Ivoiriens. Bon, je dis, ben, c'est pas facile. Mais il y a des copies de canons, il n'y a pas de messages. Il faut trouver une formule. Pourquoi il y a beaucoup de messages. Il y a des messages. Il y a soit la rafale, il y a beaucoup de messages. Toi, ton concept là, comment tu appelais ça tout à l'heure là? Le Bumbalada. Le Bongo. Voilà ça. Tu dis quoi dedans? Bon, le bongo, c'est une musique qu'on vient de faire danser. Mais tu dis quoi? C'est gros, c'est petit. Tu peux devenir petit, t'as devenu gros demain. Tu peux devenir gros, t'as devenu petit demain. Voilà. Le bongo. Voilà, c'est un message que je fais. C'est le bongo, le doundou. Le bongo, c'est le doundou. C'est que tu sais que tu sais que. Mais piqué, c'est un message que je fais. C'est le piqué. Mon déjà, si t'as piqué, on t'est déjà. Le de piqué, il faut danser. Pour sensibiliser un peu la jeunesse, la population. Il y a trop d'agression qui s'est passé. On a développé. Pourquoi pas créer un concept pour danser? Ah non, on a coupé les carrières. Ouais. Il y a des messages souvent. C'est pas tous les artistes, mais il y a des messages. Quand tu écoutes ça, les bébés, ça va. Quand on parle mal de moi, ça me fait danser. C'est un message. Un artiste coupé les carrières. Mais tu t'as donné un genre nigérien. Bon, c'est ça. C'est ça. Tu es complexé d'être ivoirien. Tu crées beaucoup de suspense. Non, doucement. Ouais. Tu t'as donné un genre nigérien, ouais. Un style nigérien. Tu es complexé d'être ivoirien. Mais toi-même, là, même. C'est, tu te donnes un genre nigérien pour que ce que tu fais là, ça puisse prendre. Non, c'est pas ça. Tu le vois que beaucoup d'ivoiriens aujourd'hui, tout le monde écoute les Niger. D'accord. Donc, ils sont bien célèbres. Voilà. Donc, pourquoi pas essayer de prendre un peu les beats et puis développer un peu dans le musique ivoirien. Voilà pourquoi quand vous écoutez mes sons, vous commencez à en aller déjà. Mais ils sont plus forts que vous, alors. Bon, allez là, c'est eux qui contrôlent la musique aussi. Mais ils sont plus forts que vous, les chanteurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus forts que vous. Travail, c'est le travail. Avant, on était là, quand on travaille, là, ça, on était devant. C'est un compte. Ils aiment, c'est ce qu'ils préfèrent prendre les plus. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus forts que vous, mais c'est une concurrence. Voilà, si vous voyez que ça captive les Ivoiriens, pourquoi pas prendre le même beat, essayer de copier le même beat. Mais pourquoi vous, pour vous là, vous ne faites pas de telle sorte que ça puisse captiver les Ivoiriens? Voilà, on travaille dur pour ça. Pourquoi tu vas prendre un peu là-bas pour nous? C'est normal, c'est la musique, eux s'ils prennent pour nous. Quand tu écoutes les sons, ils prennent pas pour nous. On prend la musique de tout le monde pour essayer de modifier. Quand tu écoutes son de quand on avait ça, on avait comme Mosty. C'est, elle a pris un peu le vieux mélo, un peu bouffé. C'est comme ça la musique. Non, mais c'est qui veut te dire là. Ouais. Il veut te dire par là. Ouais. Pourquoi aller chercher des inspirations chez des Nadja pendant que chez vous ici, comme tu parles de Mosty. Bon, c'est pas forcément, c'est pas toujours pour mes sons. Quand j'écoute mon son Le Bonbon, c'est pas l'inspiration chez les Nadja, c'est juste le beat. Son. Quand j'écoute le beat, j'ai regardé un film Billionaire Club là. T'as là, il y a Billionaire Club. Gloria. Le beat qui commence à faire peur. Moi, ça m'a fait peur. Si tu comprends qu'il était, ça m'a fait peur. Je dis pourquoi pas prendre ma peur pour chanter. Tu vois, non? Donc il y a juste pris le beat au commencement pour essayer de créer plus de suspense et puis il y a créé les attaques à la coupe.
Bon, en parlant de ça, ouais. Moi j'ai écouté ton feat avec Stellaire. Ouais. Mmh. D'où t'es venue l'inspiration? C'est qui? Voilà, je ne sais pas comment t'expliquer. D'accord, explique-moi. Il y a un artiste. Ça s'appelle Costuleta. Voilà, merci. Voilà. Essayez de. Est-ce que tu comprends? Je comprends bien. Essayez de prendre un peu, essayez de copier un peu. Il m'explique d'autres artistes. Ok, mais maintenant, est-ce que tu sais que le fameux Costuleta dont tu t'inspires là, moi j'ai travaillé avec lui en France. Ah bon? Il s'est inspiré du coupé décalé pour faire son kuduro. Voilà, donc toi, tu vas t'inspirer des gens qui se sont inspirés de tes grands frères. C'est comme ça, même le vieux, c'est l'inspiration. Ça non, tu peux, il veut. Quand Anaconda, c'est pour ça qu'Anaconda vous l'a dit. C'est mon artiste. C'est moi, mon cœur qui veut. Mm-hmm. Si mon cœur veut, mais le public aime, c'est d'abord. Bon. Mais moi, je pense que le frère Oyeki, il est influencé par les Nigériens. Parce que lui-même, il a, dit une fois que lui, Oyeki Kassi, là, il est plus fort que Flevo, que Davido. Si tu as bonne mémoire, tu as dit ça. Voilà. Tu as dit que toi, tu es fort que Davido, tu es fort que Flevo. Tu as une vidéo de ça. Toi aussi. Ils sont rentrés dans les vidéos, l'interview que tu as fait en 2021. Eux qui disent le plus fort que Davido et puis Flevo, les deux collés. Oui, c'est fort que parce que les gens, les échos, sinon que lui sont finis, ils sont plus forts. Voilà, bon, en fait. Donc, voilà. Mais eux qui bon, tu es plus fort que eux. Qui Davido et puis Flevo collés. Non, pourquoi? Je ne peux pas dire que c'est plus fort que c'est toi ton artiste. C'est toi qui est plus fort. Non, c'est toi-même, tu l'as dit. Quand ils disent qu'ils disent qu'ils ne sont pas plus forts que nous, c'est que dans la musique. Et c'est ne sais pas comment t'expliquer. Quand ils disent. Les Davido, les Flevo sont pas plus forts que nous. En esprit, c'est pour prendre notre musique. D'accord. Pour essayer de booster. Est-ce que tu comprends? Si, si, voilà. Je comprends. On est un peu en bas. Tu vois, non? Ils sont en retard, les gens écoutent beaucoup, les sons là déjà. Non, pourquoi les vieux? Ça, c'est mon vieux mot de Vando. Il se parle pour ça. Il se parle pour ça. Il se parle pour Vando. Tu vois, non? Quand il prend l'exemple des Naija, c'est que beaucoup d'hommes écoutent des Naija. Aujourd'hui, la génération, mais beaucoup d'Ivoiriens écoutent les sons Naija. On va se dire la vérité, le vieux. C'est de la vérité. Donc là, c'est normal qu'on copie un peu sur eux. C'est normal. Ah, donc là, tu vois, couper des calories aujourd'hui, là, les gars copient sur les Naija pour ça. Moi, je n'ai pas dit ça pour un moment, nous qui copie un peu sur les Naija, un peu de son, un peu de beat. Pas même beat, il voit un peu l'estime musicale. Quand ça me fait, mon Jai, l'estime musicale, mais c'est pas dans l'air de lui, c'est comme ça. Ça m'en Jai, moi aussi, je voudrais faire fit un Naija Zlatan, Bunaboy. Voilà, c'est mon Jai, c'est les Africains. Au moins, c'est mes frères africains du nouveau côté. Pas plus exemple. C'est très talentueux parce que tu chantes dans presque toutes les langues. Tu chantes en langue burkinabé, malien. Non, je chante en malien. C'est juste que tu as Sarala, Wende, Benga, Oto, Sarala, Sarala. Ça, c'est les appelés bancs comme les grandis au quartier. Tu vois, longtemps, on entend les docs. Tu vois, c'est les docs, ça vient. Non, non, en langue togolais. Tout. mais Oyo, tu es originaire d'où? Bon, je suis. Je viens dans Mambo. Non, tes origines, tu chantes. Tu es quelle ethnie? Ici, c'est Brie. Ouais. Donc, tu es un vrai gars dans le Mambo. C'est que tu es dans ton village. Ouais, c'est Brie. Tu as vu, Anaconda? À cause de la quand on m'a dit que je suis originaire de Dieu, dans le Mambo. Tu dois savoir que c'est une Brie dans le Mambo. Pas besoin de dire que c'est une Brie. Tout le monde sait qu'il vient dans le Mambo, c'est une Brie. C'est pour ça que tu m'as demandé que je suis originaire de Dieu directement mon village. Non, parce que j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont vivants dans le Mambo, mais qui ne sont pas forcément Brie. Oui, c'est Brie. Tout le monde sait, il a dit ça à la télé, il a dit tout le monde sait que c'est un petit Chabio. Mais tu as toujours inspiré. Tu es toujours inspiré. Chaque fois que tu arrives quelque part, quand on te donne la parole, tu peux faire un acapella, tu peux improviser en même temps un concept. Hein? Comment tu crées ça? Le matin, quand tu te réveilles, tu te bats un peu? Non, le vieux, tu sais que j'ai l'ambiance. Il ne te bats pas. C'est, je te dis, il copie aussi sur mon artiste, sur mon non, idole. Tu te bats pas. Il ne me bande pas. Tu te drogues pas. Caca. Hein? Poisson. Pardon? Acheke. Acheke, oui. Non, il ne drogue pas. Tu te drogues pas. Hein? Quoique tu n'as rien contre des artistes qui se droguent. Hein? Oui, c'est bon, hein, c'est... Mais ton look, c'est quoi qui inspire ton look? Pas eu voir les parties ici, le truc un peu en sky. Bon, c'est un gros, ça. C'est un gros qui s'appelle Azak. D'accord. Il a produit ça pour moi. Ok. Donc, en fait, tu aimes bien te mettre dans ce style-là. Quoi. Mais dis ça. Excuse-moi, dis ça. Lui, c'est un homme de Dieu. Il chante Dieu, il est religieux. Il fait une année où tu as pris la Bible, tu as mis clé au milieu pour attraper les voleurs. Est-ce que la religion. Il y a longtemps ça. Ouais, c'est la religion qui dit ça. Toi, en tant que chrétien, homme de Dieu. Lui, il a pris la Bible, il a mis la clé dedans, il ne sait pas c'est quel verset tu as dit, et puis tu as attrapé le fouet. Non, peut-être qu'il a pris la Bible, il a joué sur sa foi, et puis, tu sais, la foi active beaucoup de choses. Hein. Explique-nous ça un peu. Bon, ça, il y a longtemps, il ne me souvient plus trop, mais il y avait une de mes tantes ici, là, c'est elle qui m'a montré ça. C'est elle qui m'a montré le code. Voilà. Quand elle priait, voilà, elle priait beaucoup, elle m'a montré un verset dans la Bible. Là. J'ai oublié. Donc il a testé quoi, il a cru en ça, il dit Sainte Bible, si c'est lui qui a pris, tout ça a tourné. La Bible a tourné. Mais allez là ici, partout ici, il ne peut plus faire ça. Il y a longtemps. Pas il n'y avait plus la foi, mais il a oublié,
qui l'ont dû verser, tu vois. Oyoki Onayo. En fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est bon, et pas que ça m'intrigue, mais souvent je regarde. Par exemple, je vois souvent avec ton binôme Fior de Bior, vous avez des sortes d'inspiration et vous êtes dans votre élément. Comment vous vivez la chose, en fait? Ça vient quoi? Comme ça. On imagine, en fait, les conseils, ça vient quoi? Donc, quand vous retrouvez, vous rentrez dans un beat en même temps, ouais, vous mettez dans un feeling, voilà. Et puis ça déclenche. Ouais. Mais tu ne trouves pas que c'est Fior de Bior qui te donne de la visibilité dans ce que vous faites là? Pourquoi tu en es un peu plus devant par rapport à toi? C'est Dieu qui décide. C'est pas moi, c'est Dieu. Si Dieu dit Fior de Bior est devant, moi je dirais c'est Dieu. Si Dieu dit Oyo qui va avancer dedans, c'est Dieu. Voilà. Mais est-ce que tu fais des efforts pour avancer? Je fais des efforts. Pour plus te regarder je fais des efforts. Seul, sans qu'on te voit à travers Fior de Bior. Bien sûr, je fais des efforts. Voilà pourquoi tu fais des sons. Il faut des sons. Le bon bord. Stellaire, il y a sorti un nouveau son tout récemment, là, le moment Bololo. Mais dis-nous, récemment, on a cru entendre, parce que tu sais qu'il y a le bruit de couloir, tu sais, nous, on a l'affût de l'information, que c'est pas trop ça entre toi et Fior de Bior. Bon, c'est les gens qui racontent, il n'y a rien, chacun gère sa carrière solo, c'est tout. D'accord. Les gens disent, je suis dans l'homme de Fior de Bior, donc j'aime ma carrière, j'ai sa carrière, il n'y a rien, c'est tout, il n'y a rien. Il est dans son mouvement, c'est dans mon mood. Il n'y a rien. Mais quand les gens disent que tu es dans l'ombre des Fior, qu'est-ce que ça te fait? Tu te sens vexé ou... Non, je me sens un peu frustré. C'est normal. Puis c'est normal. Tu te dis quand tu vois pas, c'est pas chic, c'est pas joli. Mais tu es de toi, ton ami d'enfance, vous avez fait tout ensemble. Donc, si on dit que toi, tu es dans l'ombre des Fior, pourquoi tu te sens vexé? Je me sens pas vexé parce que les gens disent que je suis dans l'ombre des Fior. Ils me disent que bon, peut-être que tu ne travailles pas trop. Tu vois, non? Mets au travail, là, ils vont te voir. Tu vois, non? Voilà, mais c'est pas il s'est dit plus que ça le motive. Voilà, plus, voilà. C'est pas plus, mais quand ça tu te mets entre 4 minutes, toi celui-là, tu sens que tu es dans l'ombre, tu es derrière. Non, je ne suis pas forcément dans l'ombre. On me voit, c'était dans l'ombre. C'est allé m'appeler pour me poser. Non, l'ombre des Fior de Bior. Non, il se parle dans l'ombre des Fior de Bior. C'est qu'il m'a même dit. Voilà pourquoi il faut sortir mes sons solo un peu. Okay. Ça va aller, le vieux. C'est Dieu qui décide. Si, non, voilà. On avait toi. Voilà, c'est Dieu qui décide. Faut pas avoir peur. C'est Dieu qui décide. On n'a pas peur. On va à son nom un peu. Voilà. Non, toi, tu as un projet peut-être de faire un feat et un mec soit. C'est Dieu, c'est mon soi même. Souhait, si tu vois, si je veux avec Niska, non, qu'il a lancé dans vivement que. Alors, qu'est-ce que tu penses du succès du nouveau Fior de Bior en ce moment, le Godo Godo? Je suis fier de lui, il travaille fort, il est fort, il a l'ambiance, je suis fier. D'accord, bonne ambiance, un peu de gnakpa en passant, un peu de bakulo, tout ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien en tout cas quand il revisite les anciens. C'est en fait ce à quoi je voulais t'amener quand je te parlais tout à l'heure. Je veux dire que. Vous avez tout ici en fait. Ouais. Alors, il suffit de prendre les bonnes choses, mélanger à la bonne sauce et puis bon. C'est pas toujours un pompe le Nigel. Voilà, faites vos trucs avec les choses. Alors maintenant, côté, on va parler un peu avec Oyoki de sa vie sentimentale. Est-ce qu'ils ont le temps pour avoir une vie sentimentale? Pourquoi? On est dans un tournoi aussi. En façon, quand tu es dans l'homme des Fior de Bior, tu es en train de lutter pour quitter dans ça. Est-ce que tu as le temps pour, comment dire, pour gérer une go, pour avoir une vie sentimentale levée? Ça va te mettre en retard. Non, pourquoi? Ça ne va pas me mettre en retard. Pourquoi lever, c'est un être humain aussi. Oui, mais tu as un combat. Tu dois quitter dans l'homme des Fior de Bior. Maintenant, si tu dois te mettre dans fait de go, lever. Attends, ils vont t'oublier. Pourquoi? Après, la go va tout prendre, pas du coup. Parce qu'on va tout prendre pour partir son public. Il me dit. Non, pourquoi? Faut pas dire ça. Ta vie sentimentale. Ouais, ça avance un peu. Tu as quelqu'un avec qui tu es? Vous avez des projets d'avenir, des mariages ou bien? Il y a quelqu'un. Un peu, ça a avancé. Un peu. Ouais. Parce qu'on a fait des émissions récemment où on dit les stars ont du mal à se marier, tout ça. Bon, c'est les gens qui disent, c'est Dieu qui décide. Ils disent toujours que c'est Dieu qui décide. Ma femme, là, elle est à côté de moi, un peu. On a se construire un peu, ça avance. Voilà, elle est dans son côté, elle est dans son coin, c'est dans mon coin, on est ensemble, on avance un peu. Ça va aller, c'est rien. Ta femme a du bon rapport à Fior? Bon, ils se connaissent pas bien. Mais ton ami d'enfance même, connaît même pas ta femme. Bon, pourquoi? Il connaît, mais il ne cause pas trop. Parce que quand c'est pas, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, même machin. Il n'en fait pas trop longtemps. Non, pas trop longtemps. Pas trop récemment. Ça fait au moins, ça fait au moins 8 mois. Ah, mais en 8 mois, Fior, toi, vous parlez tout le temps. Ouais, mais. Mais tu peux dire que, ah, voilà. Tu sais que quand on est ensemble, on n'est pas toujours un enfant, mais. Non, je sais, mais tu peux en parler. Oh, tu peux dire à ton ami, tu peux pas toujours être ton ami, tu as toujours parlé de ta vie sentimentale, de chacun sa vie, mon vieux. Il ne peut pas venir parler. Bon, Fior de Bior, c'est pas mon papa. C'est mon ami, c'est pas mon frère. Bon, frère, le même mousseau, bon, qu'est-ce que c'est que j'ai là? Mon vieux, toi aussi. Tu connais sa femme, non? Hein? Je connais sa femme, c'est normal. Je suis abusé pour dire que sa femme, c'est peut-être prêt si vous voulez prendre votre c'est peut-être que je suis pas encore prêt. Bon, après, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème.
Si elle veut qu'on aime bien ma chérie, eux c'est salut, ils causent, mais c'est pour dire que non, quand on sort, on vient pas dans chérie, quoi, c'est rare, tu vois, non, ouais, bon, on n'a pas le temps, elles sont toujours à la maison, tu vois, non, les artistes, on veut travailler, on veut bouger, faire danser les gens, voilà. Mais on dit encore, tu vois, ton meilleur ami, sa fille, elle est bien. C'est mon ami, c'est vrai, c'est mon frère, tout le monde sait que c'est elle qui voilà, a commencé. Oui. C'est elle qui a commencé, vous avez fait l'enfance, tout ça, donc c'est-à-dire que c'est à peu près comme même tu sens, comment, bon, toi, ton ami, là, lui sait tout de ta vie, quoi. Toi, ton frère, ça, il sait tout. Après, ma vie sentimentale, elle ne connaît pas. Si elle peut venir régler, il peut venir. Non, il sait tout. T'as tout lui dit. Chacun sa vie. Hein. Oui. Ouais, c'est clair. Chacun sa vie. En tout cas, chacun sa vie. Ouais. Moi, en tout cas, franchement, ce que Défala a dit, ton vie sentimentale, c'est une bonne chose. Ça équilibre. Ouais. Mais je ne veux pas que tu t'attends trop là-dessus parce que tu risques de t'oublier pour rester tout dans l'ombre des fiers de Dieu. Parce qu'on veut que tu avances. Parce que tu as beaucoup d'imagination. Non, non, t'inquiète. Il travaille du pour ça. Il a toujours travaillé fort. Dieu va te faire. Le projet d'avenir, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de choses, hein. Voyager, construire une belle maison pour ma vieille, avancer. Voilà, tu vois, payer ici depuis Allemagne. Bon, c'est pas facile, tu vois, non? Voilà, tout le monde sait qu'il avait là, au lieu qu'il avait fait à checker pour s'en sortir un peu. Tu vois, c'est pas facile. Mais dans ton projet d'avenir là, il n'y a pas un projet fier de bien. Fougosse, chacun ses projets, Jules, là, ses projets, mes projets. Non, toi, t'es là, projet. C'est pourquoi à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en est venu ici pour parler de moi, mais il y en est venu pour parler de fier. Puis à chaque fois que tu me poses des questions, à chaque fois que tu me poses des questions, tu me dis fier, Non, c'est lui qui t'a fait. Non, le vieux. Il fier, pas le moins de vieux qui ouvre, c'est mieux. Puis il y a les personnes qui en est venu ici, c'est ça, non, pour le fier, les gars. Alors qu'on est venu pour le Yokinayo. Voilà, pour les questions sur le Yokinayo, mon actualité, pas de moi, pas de tu vois. L'actualité inactuelle, c'est quoi? Bon, je vais vous dire mon nouveau son, Maman Bololo qui coule. Oui, moi. Voilà, Maman Bololo, c'est un concept. Voilà, c'est un concept. En fait, Maman Bololo danse les pieds. Il a créé ça pour faire danser un peu la population. On peut parler de ça, mais tu me poses des questions toujours. Mais ton inspiration, ça fait danser beaucoup. Mais pourquoi Maman Bololo? Bon, Maman Bololo, c'est une vieille mère de mon quartier. D'accord. Maman Bololo, hein. Voilà. Donc, du coup, comme elle est fondée Maman Bololo, donc en même temps, tu as complété en même temps Maman Bololo. Vous créez concept avec ça, Maman Bololo. Mais vous, vous causez facilement. Hein. C'est ça qui est bon, le vieux. Tout ça, tu as rien de graines. Tu as un de plein de temps. C'est vous n'êtes même pas d'entendre des réflexions. Tiens, vous pouvez vous couvrir avec ça. Le tchakou bodier, le pas manzin, tout ça, c'est le conseil. Donc, crée quand même pas. Vas-y, on n'a pas le temps. Ouais, mais à votre époque aussi, il y avait beaucoup de conseils. La chaussure qui parle, la chaussure qui parle, puis la voiture qui parle aussi. La danse de la voiture. Donc, c'est ce qui. Voilà, c'est ce qui est réagi sur. Chaque seconde, il y a des nouveaux concepts et puis c'est important. Alors, mais Anaconda, on va demander on va demander aux jeunes frères, aux Yoki, t'es caché tout autour de combien? Bon, 500 000 souvent. Hein. D'accord. Et souvent, tu as quand même pas mal de. Parce que j'ai vu que tu es déjà parti à l'extérieur du pays. Ouais, ouais. Voilà. Pour des concerts aussi. Ouais, ouais. On t'invite assez souvent. Un peu, ouais. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que ton image chante, ton cachet augmente, c'est un peu. Voilà, c'est, la musique, c'est pas un coup. Le succès n'est pas un coup. Mon ami fait le bien, a commencé un peu dans la chambre, un peu, ça avance un peu, un peu. Bon, là, c'est toi qui parles faire le bien, non, la vie de son nom. Bon, tu as vu, non? Tout à l'heure, voilà, tu as accusé Anaconda ici. Maintenant, toi-même, tu as. C'est comme ça, un peu dans la vie, l'autre aussi. Un peu, ça. C'est bon? Voilà. Anaconda, vous voyez, c'est ça. Il n'a pas parlé avec toi, lui, il est venu. Non, mais Yoki, nous, on aime bien ça, tu sais, ici, c'est le Fafa. Qui est ton manager? Il s'appelle. Et oui, il y a deux managers. Il y a un nouveau manager aussi. C'est toujours bien d'avoir deux managers, mais un manager, qu'est-ce qui est plus bien? C'est bien d'avoir deux, si l'autre est balé, l'autre est malade, l'autre est remplacé. C'est ça. Ça va avoir 6-7 managers, mais si l'autre pas avoir 10 managers, avoir 10 managers. C'est ça, ça va. Tant que l'autre est speed en change, si l'autre n'est pas speed, c'est con. La vie, c'est qu'on l'artiste doit être speed toujours, pourtant on parle de lui à chaque instant, à chaque heure. Tu vois, non? Si ça dort. Et le producteur? Bon, il n'y a pas de producteur là-bas, ils sont producteurs depuis le champ. Voilà, c'est moi qui fais ma carrière un peu solo, et j'aime mes business. Ah, mais faut prendre Roland Le Bendis. Si Roland Le Bendis est là, il y a fou, c'est mon vieux, mon vrai papa. Roland, il sait qu'il y a fou. Le père, il va te laisser un message. Ton fils, voilà. Mais est-ce que tu as un directeur artistique? Ouais, j'ai un directeur artistique. Qui te met sur, qui te donne un peu de conseils par rapport à ta carrière et tout ça? Voilà, c'est maintenant, mais il y a eu un directeur artistique. Lui, d'accord. Pas trop ça, puis il n'est pas trop là. Lui aussi, il travaille, donc il n'est pas trop. Donc il y a plus maintenant un directeur artistique pour essayer de suivre un peu ma carrière, un peu. D'accord. C'est pas facile, le vieux type. Seul, tu ne peux pas avancer dans le game. Tu as besoin de beaucoup de personnes autour de toi. Non, voilà. c'est pour cela que Dieu donne à chacun de nous quelque chose de spécial. Parce que seul, tu ne peux jamais avancer. Ah, c'est très dans important. Dans ta carrière, tu approches un peu Ariel Chenier pour prendre des conseils, mais pour. C'est pas moi. Ouais. Ah, je suis dans les bons rapports. C'est mon vieux Moro Kumbala, toujours. T'es un lion, il n'y a pas l'homme. C'est mon vieux Moro. Il est bonien, mais bonien, il le respecte. On a les bons rapports. Arrête, je suis né. S'il a besoin de moi, je réponds toujours présent.
Mais toi, tu n'es pas dans les clashs comme les jeunes clashs, les vieux. Non, tout, toi, pas des clashs, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est pas dans le clash. Toi, tu es dans ta gamme, tu fais ta musique. D'abord, ma vieille, pour essayer de bien mes maisons, pour payer ma villa, payer ma voiture. C'est mon rêve, le vieux. La vie n'est pas facile. Encore du reste, quand tu commences à prospérer, un peu ça conspire, c'est le cul contre toi. Tu ne veux même pas marcher. Les maris, on fait comme on fait. Tous les morts ne sont pas prêts, mais on fait comme on s'est dit. Yogi a fait quoi? Yogi a fait quoi? Yogi se cherche pour s'en sortir. Ça vient faire la checker. Si ça, ça vient dans mon bout. Vous me booster. Vous dites, je chante bien, mais moi, vous convencez sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Faites passer mes sons. Je sais pas, tout le monde a les ennemis. Non, tout le monde a les ennemis dans la vie. Tout le monde a les ennemis dans la vie. Même toi, tu as les ennemis. Bon, moi, je sais pas, mais je suis vigilant. Je suis comme un soldat, je suis comme John Cena. Dès qu'il voit que lui a pas mangé, maintenant je le veux pas manger, mais je le veux déjà face directement pour aller à Pamoudou. Tout ce qu'il dit là, c'est tu comprends? Non, pas pour l'instant, parce que j'arrive, je cherche à comprendre. Il sait que s'il comprend, pas manger, c'est pas bon. Le vieux pas manger, le connaît pas. Il est mal fait, il a marché un babouicant à Abidjan, à l'heure et tout. À l'heure et tout. Sans boire l'eau. Il est mal fort, vieux pas manger. Il est fort. Mais toi, tu l'as vu où? Moi, toi aussi. Moi, j'ai fait Dabou, moi, j'étais à Dabou avant. Donc tu connais l'histoire de Pamonzé. Je connais l'histoire de Pamonzé. C'est un frère vieux. Je ne peux pas parler de lui quand la télé, là, n'a pas bien dormi. Je ne vais pas avoir de problème. Je ne vais pas manger. C'est une histoire pour chéquité. Tu connais que je ne vais pas manger. C'est que ça pour chéquité. On s'amuse, on va te fâcher les yeux. Via Kabio. Pamonzé. C'est un concept qui est là maintenant. Ouais. Il y a un mouvement comme ça. Donc déjà, c'est un mouvement que Pamonzé est là. Ouais, il est là maintenant. Non, les gars, ils sont trop bons. T'as trop bon. Moi, en fait, je suis impressionné par la vitesse à laquelle vous courez, en fait. Vous n'avez pas le temps, même. Alors, Anaconda, notre invité aujourd'hui, Oyoki Onayo. Oui, non, Onanayo. Le papaya, le mamaya. Le papaya, le mamaya. Le gougou. Le gougou. Le ogwefi. Le ogwefi. Ozo. Ozo. La mani. La mani. Le junior. Le junior. Fait revenir boss. Bon, le boss. Maman Bololo. Maman Bololo. Papa Bololo. Papa Bololo. Tout ça là, ce sont tes surnoms. Ouais. Ah, ça là, on va pas se soucier. Tout ce que tu as cité là, ouais, ce sont tes surnoms. Ouais. Ceux des noms artistiques, c'est ouais, ça. Le papaya, ça, le mamaya, le gougou, le gouefezonamani, le maman bolo, le papa bolo, le achon chebri. Mais tu sais que tous les noms peuvent avoir une influence sur ta personne. Mais si un animateur doit te présenter là, comment il va faire? Ça, il a fallu se donner le papaya, le mamaya, le gougou, le Philippe, une fois, le Aton Chiavou, le maman boulot, le papa boulot, le pamanzin, le Joe Frass, le junior de devenir boss. Hey, il y a mis fire, yeah, yo. Cette histoire, on va pas s'en sortir. Yeah, yo. Toi, à ton temps, junior, il y avait le César, le Zeus. Toi, tu avais tout ça, tu avais le César, le Zeus. C'est lui qui a envoyé tout ça. Ils appelaient le Zeus, le César. Après, c'est quoi? Oui, c'est, il fallait la légende. Oui, j'avais mis Zeus sur mon doigt. Alors, Oyoki, Onayo. Onanayo. Bon, tu penses qu'il n'arrive pas au titre. Non, parce que quand on voit là, quand on écrit là, en fait, c'est pas moi. Quand tu regardes sur la toile partout, tu écris ton nom là. En général, ils ne mettent pas Onanayo, hein. Non, si, il y a d'autres qui mettent Oyoki Onanayo, il y a d'autres qui n'arrivent pas à prononcer. Donc, voilà, tu ne peux pas être ton nom même là. Oyoki, c'est un n'arrive pas de Onanayo, il faut dire Oyoki, ça va. Parce que quand moi, je fais mes recherches sur toi là, je vois beaucoup apparaître Onayo que Onanayo. Non, il y a Onanayo, il y a beaucoup de Onanayo. Ok, Onanayo. Ok, il n'y a pas de problème. Anaconda, Oyoki est là. Anaconda. Il a tout dit. C'est Aval. Non, il n'en parle. Moi, mon souhait est qu'il raconte même Jims pour son fit. Eh, amen, amen. Ah, mais c'est en prière. Je me dis, le Jims soit au Booba pour un fit. Amen. Voilà. Ça a boosté encore la carrière. Si tu es dans le genre de musique que tu fais, ouais, franchement, bon. C'est encore le deux avec quelque chose. Mais Anaconda, oui, oui, oui. Bon, Oyo qui l'a dit un jour que eux, souvent, quand ils sont en manque d'inspiration, il y a un vieux qu'ils appellent dans un coin là. Et puis le vieux, il y a le vieux, c'est chaud, on a manque d'inspiration. Et puis le vieux, il donne une inspiration. Est-ce que c'est bien fait, t-shirt? Non, 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 on appelle le vieux Kosubeto, c'est un vieux qui bénit. Mais lui, il est où? Il a pas mangé. Pas mangé, c'est où? C'est un homme filial, dedans là-bas. Dedans où? Dedans, à l'intérieur. Le vieux n'arrive jamais pour arriver, c'est difficile. À l'intérieur de Côte d'Ivoire, mais autre pays. Autre pays. Quel pays? Togo. Togo. Il n'est pas dans Zamou. Faut dire si il est dans Zamou, ça fait rien. Nigeria, tout. Il change les positions seulement, le vieux pas manger. Si tu fais ça, ça fait rien. Toi, tu vois, le mauvais fait de chien. Toi, tu connais quand c'est un fait de chien, puis c'est bizarre. Toi, tu connais quand même. Non, doucement. On n'écrit pas sur le chien. Pardon, ici, un enfant de God. Baba God, faut pas arriver vieux là, il va plus à la condamne. Faut pas arriver à la condamne.
Il y a son nom là-bas, mais on a. Il y a là-bas, mais on a. Va m'avaler, pardon, il n'y a pas de problème. Et Yogi. Vous êtes ensemble. Mais il a le temps, c'est vieux quoi. Vous êtes sous béton. Yogi, le gars veut te mettre en problème. Il n'y a pas de problème. Papa, il ne va pas encore voir. Du mieux la bénédiction, hein, c'est beaucoup. Ah, vieux. Bon, Anas, attends, Oyoki, fais-nous un petit freestyle, là, je vois quelque chose. Ok. Ouais. Quand j'ai commencé à chanter, ils m'ont longtemps négligé. Quand j'ai commencé à chanter, ils se sont moqués de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui fais danser. Aujourd'hui, c'est moi qui fais bouger. Aujourd'hui, c'est moi qui fais danser. Aujourd'hui, c'est moi qui fais bouger. Petit à petit, lentement, sûrement, j'avancerai. Moi, je m'en fous des égards qui ne font que parler de moi pour ne rien dire. La vie, c'est mollo, mollo. Le petit poisson devenu à Tchango. Alors, mon ami, faut pas t'asseoir. Faut te battre pour t'en sortir. Mais tu as quel souci maintenant? Tu as quel souci? T'as vu que je chante en français, non? Bon, donc, bon, voilà. Donc, bon, voilà. C'est ce que pourquoi je t'ai demandé de faire un freestyle. Voilà. Ça veut dire que, quelque part, peut-être que tu as un talent véritable. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de sons aussi. Je chante en français bien. Il y a un son, on appelle ça Baradu. J'ai fait ça tout récemment. Mais Oyoki, est-ce que tu sais que un son dans lequel ce que tu dis, on ne comprend pas, et puis un son dans lequel ce que tu dis, on comprend, ce que tu, dans le son où tu parles et puis on comprend, ça dure plus, hein? Ça dure, mais mes couplets ne durent pas. Non, je dis ça dure plus dans le temps. Ça dure plus, il y a des choses qui se passent dans ma vie aussi. Voilà. Mais quand tu fais les 30 ans, c'est une ambiance, c'est une bonne ambiance. Ouais. Peut-être ça peut taper, percuter un coup, boum, et puis après. Ouais. Mais oh, ça peut percuter dans le temps. Moi, je veux te conseiller par exemple. Je n'aime plus trop écouter ce que tu as dit. Quand c'est moi, je chante bien que Céline Dion. Il chante bien que. Ça s'appelle un. Quand on avait ça, lui chante. Waouh, cousin. Il chante bien que lui a sa voix. Qui chante. Ah, mon fils. Mais Oyoki, il y a des gens qui chantent des nouvelles chansons ici en Côte d'Ivoire et puis les gens écoutent ça. C'est normal, mais tu veux. Toi, tu vois que c'est pas. C'est quand tu écoutes les gens qui chantent. Dis-moi un artiste qui chante beaucoup. Quoi, et puis on, dis-moi un artiste. Par exemple, là, récemment, il y a la nouvelle que Coqueluche, la musique qui sort, Rosine Nayo qui a sorti son premier album. Oui, 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 c'est ambiance. Tu vois que c'est ambiance, non? Voilà. Tu vois que c'est ambiance, c'est chanter un son. Non, elle parle de manger, l'amour. Ouais. Là, il y a un message. Il y a un message où il y a chanté un son, on appelle ça Baradu. Il y a chanté un son, on appelle ça Mamoulé. Mamoulé, il y a le bébé, la vie n'est pas comme ça. C'est vrai que j'ai souvent déconné. Bébé, pardonne-moi, je suis prêt pour toi. Je regrette de t'avoir perdu. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. J'arrive plus à manger depuis que t'es parti. Ma vie n'a plus de sens. J'ai chanté en français quand, tu vois, non? J'ai fait un feat à mon ami Doucement Attrapé. Si tu veux, on peut te passer mes clips. Ça s'appelle Doucement Attrapé, c'est un artiste aussi. Comment il s'appelle? Doucement Attrapé. Doucement Attrapé, voilà. Tu as combien de sons, mec? Bon, il y a beaucoup de sons. Hein, ouais. Il y a Le Bon Bord, il y a Souké Poussi qui est stellé, il y a Piqué Piqué, il y a Fior et Bio, il y a un son tout récemment, fait mon Bololo. Ouais. Au moins 4 sons. Hein. 4 sons. Il y a un dernier son, on avait ça coronavirus, c'était mon deuxième son après Piqué Piqué. Alors, il a envoyé ça, il a mis ça sur YouTube. C'était putain le confinement. Il n'a pas trop fait la promotion, c'était juste pour mettre ça sur YouTube, quoi, pour augmenter un peu la page YouTube dans les débuts. On avait ça coronavirus, c'est quand ça a boosté un peu, ça fait au moins 61K. Wow. Sur, on avait ça. Sur YouTube, comme il n'y a pas boosté, il n'y a pas de sorgue, il n'y a pas envoyé ça à la radio, il a mis ça seulement sur YouTube. Un peu après, il a fait un son Mamoulé. Voilà. Après ça, il a fait un son Stellé tout récemment. Voilà, c'est Stellé. Stellé, c'est un ami qui est vraiment propre moi, qui m'aide aussi dans ma carrière artistique aussi. Il fait mes sons chez lui, il arrange mes sons. Voilà. Non, on va t'aider d'une autre manière. Puis c'est pas facile. Il voit vraiment que je suis seul dans le game, il n'y a pas vraiment de soutien. Donc voilà. Mais nous, on l'aide déjà parce que déjà dans cette émission, on a démontré une autre facette de l'homme. De l'homme. Pas seulement que les il a montré qu'il peut faire autre chose. Sais, oui. Donc, ça lui permet d'élargir son champ d'action et au niveau de son public. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Donc, Oyoki, moi, je te conseille de sortir du cas, tu vois, essayer de faire un truc où tu vas dans ce style et puis. Où c'est toi seul, on te voit. Il y a pas de souci. Il y a un son qui a fait un son baradu et chanté ma vie. Si tu écoutes, tu n'as pas dédié si Oyoki a chanté ça. Ok, bon, Oyoki, puisque notre émission tire bientôt à sa fin, quel est ton message pour les personnes qui t'apprécient d'ores et déjà et ceux que tu cherches à conquérir? Quel est le message que tu peux lancer? Bon, les gars, vous savez que ce n'est pas facile pour votre artiste Oyoki Nayo. Il y a besoin vraiment de soutien, booster, partager mes liens, partager mes clips, voilà. Puis ce n'est pas facile, voilà. Il n'y a pas de concurrent dans la musique, voilà. Moi, ici, il y a tout le monde. Ils savent, moi, je ne suis pas là pour concurrencer lui ou Jesse Bifokeki. Mes frères, collègues, artistes en ensemble. Voilà, l'union fait la force. Courage à tout le monde. Courage à la famille, voilà, parce que la musique ivoirienne n'est pas facile. Si on est ensemble, on peut avancer. Voilà, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Tout le monde sait que Oyoki Nayo n'est pas un Moro qui aime bruit. Il ne fait pas parler avec l'homme. Il fait pas. Si on est dans la musique, là, vous savez qu'il n'y a personne derrière moi, mais un peu.
ça allait. Voilà, je voulais remercier aussi mon vieux Moro Roland Le Bengis qui m'aide beaucoup aussi dans la musique. Voilà, puis à chaque fois qu'il y avait Big Up, le Réal, Roland, vraiment, Le Bengis. Une personne qui ne savait pas, Didier a parlé de toi, il a regardé Ivoire TV à la maison quand Arafat était en vie. Il a parlé bien de toi, qui était prêt pour lui, vraiment. Tu as la main sur le cœur, que Dieu te bénisse en ensemble. Mais tu as un message pour tes ennemis? Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Mais toi, tu as dit dans l'émission que tout le monde a ennemis. Donc, il y a même Anaconda ennemis. Pourquoi je t'ai venu dire ben ennemis? Tu as fait d'ennemis. Les ennemis, là, ils sont là. Ils sont là, je les vois venir. Laissez-les qu'on allait dans les toutous. Il n'y a pas de message pour eux. En ensemble. En ensemble. Ils vivent beaucoup d'eau. Vini, buvez beaucoup d'eau. Coupé, décalé. Ça facilite la consultation. Non, là, c'est rap, ivoirien. Ça facilite la consultation. Non, non, c'est pour vous, c'est pas buvez beaucoup d'eau, ça facilite la constipation. Ouais, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, ça délivre, ça délivre. Alors, Anaconda, dis-moi, Anaconda, moi, je vois. Qu'est-ce que tu as compris un peu de tout ce que il a son truc là, quand il fait là? Il avait dit le vieux, tu as compris quoi? J'ai pas compris. Non, moi, ce que je voulais savoir, le vieux, ils appellent pour avoir l'inspiration le vieux, là. Le vieux, c'est un vieux qui donne la bénédiction. C'est un vieux qui prie beaucoup. Il croit en Dieu. Voilà, qui parle. Il a parti prier aussi là. Il t'a envoyé là-bas chez mon vieux. Oui. Là, c'est ta transport pour arriver là-bas. Ah. Ça, tu sors là, mais pas que. T'as pas de transport. Hein. Voyez comment t'as été transporté pour aller là-bas là. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? D'accord, c'est la fin. Je pense que tout a été dit. Et puis bon, enfin, coucou à Fior de Bion, ton binôme, ton frère, tout et tout. Vivement qu'il n'y ait pas de séparation entre vous. Vivement aussi que ta carrière évolue, ta carrière solo évolue énormément. Oh, voilà aussi. Sans lui aussi, hein. Mmh, quoi qu'il ensemble, c'est il va faire son chemin. Voilà, chacun fait son chemin, quoi. Et je profite aussi pour saluer Giovanni de Muir, ami de Défalé. Giovanni de Lyon, big up à toi. Giovanni de Lyon, sans oublier Ange Bleu, le cultivateur, la marraine Mathilda Erika, toi, la grande famille. Non, Ange Bleu, écoute, regarde. Anaconda, je pense que l'émission tire à sa fin. Hein? Anaconda, tu as classé quand même, c'est toujours si. Ah, tu dis que Giovanni. Est-ce que tu ne te tiens pas un peu, Anaconda? Et toi, tu peux, tu es capable de te tiens. Hein? Moi, je suis capable de tout. Alors, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le Fafa. Serge Le Fallet, Anaconda, le duo de choc du Fafa. Aujourd'hui, nous avons reçu Oyoki Onanayo. Il a démontré des freestyles dans deux styles. Voilà, il sort dans tout. Il dit Maman, il y a Oga, Papa, il y a. Il a tous les noms. Oubiva. Vraiment, cette histoire-là. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Alors, continuez tous de partager nos vidéos, nos directs, ceux qui nous suivent sur la toile partout. Restez connectés à Fafa, la meilleure émission qui décortique l'actualité people, tout ce qui se passe dans la vie de vos artistes, vos stars. N'oubliez surtout pas, partagez, partagez, partagez. On est ensemble, que Dieu vous bénisse et big up à toute la famille.